Coralie Porovecchio raconte son accouchement bizarre. On était un peu stupéfait. Maman du petit Kingsley, Coralie Porovecchio a souhaité dévoiler les coulisses de son accouchement sur Snapchat. Très heureuse d'avoir agrandi sa famille, la jolie brune révèle avoir vécu une naissance étonnante où tout s'est passé très vite. Le 15 janvier 2022, Coralie Porovecchio a raconté les coulisses de son accouchement sur Snapchat. Maman de Leroy, née en mai 2020, et de Kingsley, née le 10 janvier 2022. L'ancienne candidate de Secret Story 9 a tout d'abord expliqué que ces derniers jours de grossesse ont été très compliqués car les médecins suspectaient un risque de phlébite chez la future maman. Plus de peur que de mal pour la fiancée du joueur de l'homme Boubacar Camara, qui est finalement rentrée à l'hôpital le 10 janvier, soit 2 jours après son terme. Une fois arrivée sur place, les médecins ont décidé de déclencher son accouchement à midi grâce à une perfusion. L'accouchement a été très rapide selon Coralie puisqu'il n'a duré que 4 heures. Tout est arrivé très vite, confie l'ancienne candidate de télé-réalité. On était un peu stupéfaits, enfin tout était prêt sans être prêt, c'était un accouchement un peu bizarre. Pas préparé du tout et du coup c'était bien mais on s'y attendait pas donc on n'a pas pu vraiment se préparer ni même préparer les Roy, explique-t-elle. Après la naissance de Kingsley, son fils a dû passer plusieurs examens de santé car les médecins étaient inquiets à cause de son poids. Elle raconte, quand Kingsley est né c'était un beau bébé, 50 cm, 34 de tour de tête. Par contre il pesait 2,9 kg ce qui est un poids normal, mais par rapport à ma taille et celle de Bob, il devait peser minimum 3 kg donc il voulait absolument savoir pourquoi il pesait que 2,9 kg. Ils lui ont fait plein d'examens, il est même passé par la néona, confie Coralie Porovecchio. Heureusement, tout s'est bien fini pour le petit garçon qui n'a aucun problème de santé. J'étais un peu dans le mal à l'hôpital car j'ai dû attendre les résultats de tous ces examens mais tout va bien, révèle la jolie brune, soulagée pour son nouveau-né et prête à débuter sa nouvelle vie de maman de 2 petits garçons.